Une information a été divulguée par le journaliste de sport 94.6 FM à Athènes, Georges Tsakana, et maintenant nous vous apportons les dernières nouvelles sur les rumeurs de vente du club et les intrigantes négociations avec les fonds saoudiens. Préparez-vous à être au courant de tout. Mes amis, nous allons maintenant parler des rumeurs récemment divulguées qui agitent les supporters. Selon les informations, Frank McCourt cherche un accord avec les investisseurs saoudiens pour la vente de l'équipe. Il a exprimé le souhait de conserver une participation de 20 à 30% dans les actions de l'OM, ce qui soulève quelques questions intéressantes. Certains supporters se demandent quelle est la logique de cette décision, compte tenu des pertes financières subies par McCourt pendant sa gestion. Est-ce que cette participation minoritaire apporterait des avantages tant au club qu'à McCourt lui-même? Alors que ces spéculations sur la vente continuent d'animer les réseaux et les discussions entre les supporters, une chose est sûre, notre OM continue de faire l'histoire, non seulement dans les négociations, mais aussi sur le terrain. Peu importe l'avenir du club, nous, supporters, continuons de soutenir et de vibrer à chaque action, à chaque but et à chaque victoire. La passion pour l'Olympique de Marseille est plus vivante que jamais. Alors, les amis de l'OM, qu'en pensez-vous de toute cette situation? La vente se concrétisera-t-elle en septembre? Laissez vos opinions dans les commentaires, nous serions ravis de connaître vos pensées. N'oubliez pas de mettre un pouce levé, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de mises à jour sur notre club de cœur. À la prochaine, et que le bleu et le blanc continuent de briller.